là. Vous souffrez, oh. C'est devant vous que j'ai venu me peigner. Tranquille. Ah, chaleur nous cuit, ça nous cuit. Ça nous cuit. Tranquillement, tranquille. Aïe. Oh là là. Quand moi je vois le soleil là, mais j'ai même pas envie de sortir. Ah ouais. Là. On va causer un peu avant que je sorte. Tranquillement. Michel, comment vas-tu? Oui, cocotier du désert. Encore là ce matin. Ah oui, Malin va tuer. Ça va tuer. Mes amis, faites le malin. Parce qu'après la mort, là, il n'y a plus rien. Voilà trois vertus que tu dois avoir. Un, fais le malin quand tu veux. Deux, cherche ton argent sans tenir compte des sales gueules des gens. Et quatre, fais-toi plaisir. Cinq, fais-toi plaisir. Six, fais-toi plaisir. Parce qu'il fait chaud là. Les gens nous pompent. Les à côté nous pompent. Et puis donc, on va faire quoi? Oui, Josima, je suis fâchée. Voilà. Quand on me critique quelque part là, voilà, on ne me tague pas là-bas. Parce que nous, là, on est fait pour être critiqués, pour être insultés, pour être, comment on appelle ça même? Oh, tout. Mais la différence entre ces personnes et nous, on a toujours la bonne humeur. Tranquillement, tranquille. On avance. C'est ça la différence. J'avais parlé des cancans qui aiment se mêler de la vie des gens là. Remarquez bien, vous n'avez pas remarqué les personnes qui aiment se mêler de la vie des gens là. Vous n'avez pas remarqué comment les personnes, ils ont un sale teint. Ils sont frustrés et très laids. Non, moi, je sais que je ne suis pas jolie. Hein. Mais quand même, le teint parle à ma place. Aïe, chineke. Tranquillement, non, je ne suis pas fâchée. Je suis en train de. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis en train de causer entre nous-mêmes là. Vous n'êtes pas content? Non, je vais vous faire rire un peu aujourd'hui là. Tranquillement. Parce qu'il y a un petit affairage qui est tombé dans ma tête là. Voilà. Non, Josima, tu es pardonnée. Mais si tu me tagues encore là, ah, tu connais la sentence. Tranquillement, tranquille. J'ai dit, il y a une dame qui est dans mes poils là. Ah oui, Lolo est ceci. Ah oui, Lolo est cela. Toi, tu ressens ma cara poilue. Tranquillement, tranquille. Les vilaines go là, tu ressens ma cara poilue. À cause de mes produits, tu ressens maintenant ma cara normale. Tranquillement, tranquille. Elle s'appelle comment même? Oh, j'ai oublié de demander son nom là même là. Tranquillement, mais je ne vais pas la clasher parce que elle me fait pitié. Les personnes qui me critiquent ou pas me critiquer, je la femme de qui vous savez que je sais là. Je vais vous apprendre que toutes vos informations arrivent à Lolo Bouton. M'appelle RFI. Aïe. Cara poilue. Si vous voyez la femme là, non, attendez d'abord, je vais vous la décrire. Celle qui ose parler de la vie de Lolo Beauté. Aïe, cara poilue. Regardez Demache. Si elle fait Demache, elle est mon gros ventre, mais vous allez trop rire. Demache, son en haut est gros. Vous voyez les femmes en haut est gros. En bas est petit. Fesse les rentrées dedans là. Je me demande quand tu te tournes et puis ton mari te prend par derrière là. Est-ce qu'il jouit bien? Tranquillement, tranquille. Attention, les femmes qui aiment mettre leur sale gueule dans l'affaire des gens là. Est-ce que vous vous regardez dans le miroir? Essayez un jour de vous regarder dans le miroir et puis demandez à quoi je ressemble. Parce que j'ai l'impression que quand Dieu vous créait là, en tout cas, il était de très mauvaise humeur. En tout cas, il n'avait pas envie de créer un être humain. Et puis vous là, le reste, il a dit bon, sortez comme cela. Tranquillement, tranquille. Donc arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Nous, on avance tranquillement. Oui, les aigris sont trop. Ils sont dans nos poils, dans nos pieds, comme cela, tranquillement. Aujourd'hui, c'est acte 2 pour leur dire de fermer, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations compliquées. Ici, à Paris, là, ma chérie, quand tu es en train d'évoluer, là,
Il y a des crabes poilus. Elles vont te dénigrer, parler de toi, gâter ta réputation. Oui, cette fille, elle est tchandjou. Cette fille, en tout cas, elle saut avec les sommes. Cette fille, ma chérie, c'est ton pont, elle prend pour baiser. Non, aujourd'hui, là, elle prend défense des filles djankal, là. Parce qu'il y a des filles, là, même si elles sont tchandjou, ma chérie, elle t'a dit, prête-moi ton pont pour aller baiser. Elles sont dans les fourgonnettes. Elle t'a dit, prête-moi tes poils. C'est parce qu'elles sont jolies. Tranquillement, tranquille. Non, il faut qu'on se mette. C'est-à-dire, arrêtez de vous de critiquer, d'essayer de trouver des épines sur les autres, ma chérie. Avant de raser les autres, là. Quand tu t'abaisses et puis tu regardes ton cul de ton ami, là. Faut pas oublier que toi, ton cul est dehors. Hein. Ton fesse, là, c'est au dehors. Tes poils, là, sont pas encore rasés. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez ça. Ah oui, celle-ci, elle est ceci, celle-ci, elle est cela, son petit magasin, big up à ma copine au Château Rouge, Mariam, tranquillement, tranquille, ma coiffeuse professionnelle. Ah oui, tranquillement, tranquille, en train de se mêler de la vie des gens. Non, je vais changer de coupe, c'est la paresse qui fait. D'ici mardi, je change de coupe, je vais chez Mariam au Château Rouge pour changer ma coiffure. Donc arrêtez ça. Quand on veut évoluer dans la vie, je vais vous donner un conseil. Ma chérie, mon frère, la go crayon coco taille vous donne un conseil. Quand tu veux évoluer dans la vie, il y a des camaraderies, il ne faut pas tisser. Parce qu'il y a des camarades là, quand elles s'approchent de toi là, elles ne vont pas te donner bon conseil. Elles vont venir gâcher ta vie. Ici en Europe là, ma chérie, tu es dans ton foyer là. Faut pas aller expliquer ton affaire de couple à ta camarade. Parce que je vais t'apprendre qu'elle est très jalouse. Elle veut chier dans ton couple là, tranquillement, tranquille. Et si tu tombes dans son piège, tu vas te retrouver célibataire. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, quand il y a une petite discussion avec toi et ton mari, elles sont les premières, il faut aller à la police. Je vous dis ici là même, la police là même est faite pour les nègres là. La police, ça s'est fait pour vous les noirs là. Vous êtes venu dans le pays des gens, l'autre est venu vous chercher, c'est vous, vous pouvez défiler dans la police. Mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela. Ici en Europe, là, quand tu poses un acte, là, ma chérie, ça va te suivre tout le long de ta vie. Parce que c'est la vie de quelqu'un que tu es en train de mettre en danger. Si dans une relation, tu ne te sens pas heureuse, là, vous vous séparez tranquillement, mais c'est quelle histoire, un petit truc, oui ou non, je vais à la police. Vous voyez, Gaou, quand Gaou même, on apprend à le rendre un peu hier, là, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Gaou. Non, voilà pourquoi quand vous partez prendre les filles en Afrique, là, je vous dis faites attention. Parce que c'est gnata en bas de poussière. Là. Quand vous les envoyez en Europe, ici, vous les garçons, là, quand vous partez chercher vos go en Afrique et puis vous les envoyez en Europe, là, c'est les premières. Là. Quand il y a petite discussion, je m'en vais à la police. Je connais mes droits. Toi, tu as quel droit, villageoise, là? Tu as quel droit? Tranquillement, tranquille. Toi, en bas de manioc, on est venu te nettoyer un peu, te rendre un peu quelque chose là. C'est toi qui connais une route de police. Le monsieur va te faire un petit truc. Je m'en vais à la police. Tes copines aussi sont derrière toi. Ah oui, faut le convoquer. Faut le faire ceci, ma chérie. Si à partir d'aujourd'hui, ta camarade te dit oui, faut convoquer ton mari là. Faut dire tu ne m'aimes pas. Tu es une sorcière, une vipère. Parce que le temps que moi, je suis en train de prendre pour solidifier mon couple là, vous, vous prenez ce temps là et puis vous me dites que oui, d'aller gâter mon couple. Tranquillement, tranquille. Garçon qu'on cherche comme ces torches là, c'est vous qui vous jouez ça. Tranquillement, tranquille. Non, les garçons, j'ai pris votre défense aujourd'hui. Parce que les femmes là, elles ont trop les fournières. Vous avez fini de prendre allocation familiale là. Le peu que le garçon va gagner là, ça peut même pas le suffire. Vous êtes sur lui comme ça. Nya. Faut le convoquer. Faut faire ceci. Vous fatiguez. Ah, c'est quoi? Après, maintenant, vous finissez de fatiguer les hommes qui sont en Europe ici. Et maintenant, vous partez en Afrique. Allez dire, oui, je vais chercher gars en Afrique. Je vais vous apprendre que les gigolos de l'Afrique, là, ils vous attendent, vous les benguis, là. C'est-à-dire, garçon, là, quand il attrape poil de femme qui ne lui appartient pas. Parce que quand vous quittez, les garçons, je vais vous donner vos secrets. Vos femmes qui sont ici, les pieds disent, je m'envoie en vacances un mois là. Je vais vous apprendre qu'elles ont des gars là-bas qui leur couillent très bien. Quand un garçon vole femme de quelqu'un là,
Ce qu'il est en train de la couiller, l'André, il va enlever clitoris et puis mettre à côté. Parce que tellement il a envie de démontrer qu'il baisse bien là. Il m'écraille. Remarquez bien. Quand femme quitte en vacances et elle revient en Europe, remarquez bien, c'est les premiers à dire mon bobo doumon me fait mal. Mon cul me fait mal. Parce que ceux qui sont habitants, ils ne jouent pas. Avec rien de femme benkis. Ils mettent dedans. Ouh, André Moti en train de piler foutou. Tranquillement, tranquille. Vous partez tromper vos gars en Afrique là-bas. Et c'est vous les premiers qui venez dire, ah oui, tranquille, mon gars là, il me fatigue, il me fait ceci. Pourtant, tu arrives en Afrique, tu te mets bien là-bas. Je connais les femmes. Je les connais, mon ami. Je les connais. Toi, tu dis que oui, ma femme, elle est sérieuse. Elle va aller en vacances. Pourquoi vous partez pas en vacances ensemble? Et vous vous détachez comme cela. Elle s'en va se faire pougner les poils là-bas et elle revient te pomper la vie, ma chérie. Quand tu sais que tu trompes un homme là-bas, donc, le peu de dignité qui lui reste et puis là à la maison, là, il faut le foutre la paix. C'est très important parce que nous, les femmes, on exagère. Et puis, c'est la plupart des femmes qui trompent leur mari là. C'est elles toujours qui connaissent route de police. Quand j'ai fait quelque chose, je m'en vais à la police. Quand elle me fait quelque chose, je vais le chasser de chez moi. Ma chérie, même si la maison porte ton nom, il faut respecter l'homme. Si tu as envie d'évoluer dans ta vie, tu as envie de prospérer. L'homme qui t'a fait un enfant, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ses défauts, tu peux le changer. C'est avec la douceur, c'est pas avec la police. Ici, nous sommes tous Africains. Nous sommes tous une même communauté. Donc si moi, je peux donner conseil à mes soeurs, le conseil que je peux te donner, ton mari qui est avec toi à la maison, c'est ton frère après tout. Malgré ses défauts, il t'a pas tué. Est-ce qu'il a tué l'homme? Mais même être humain qui tue l'homme, là, on pardonne. À plus forte raison, un homme, un être humain qui a commis un péché, tu vas l'envoyer à la police, aller gâter son travail. Il y a une connasse là. Son mari lui faisait un peu d'histoire, ses copines lui disent, oui, il faut aller porter plainte. Faut aller porter plainte. Elle allait porter plainte. Le moment où elle est revenue à la maison, les deux se sont réconciliés. Le monsieur, maintenant, son travail est gâté. Il regarde, on le convoque à la police, il arrive à la police, sa femme, elle le regarde. Elle a porté plainte depuis un an, hein. Dans sa société, on lui a demandé un papier là. Or, ce papier là, quand on porte plainte contre toi, moi, tu as un petit truc à la police, on ne te donne plus. Son travail est gâté, il arrive à la police, la connasse des femmes aussi, elle assise là. On dit, mais madame, c'est très bien, vous êtes venue à celui qui vous frappe. Le monsieur, il regarde sa femme, il dit, moi, je te frappe. Elle dit, pardonnez, la police, c'est mes copines qui m'ont induit en erreur. Tu vois, tu as gâté ton foyer comme ça. Parce que tu allais écouter copine. Parce que copine va te donner conseil. Quel bon conseil même copine peut te donner. Quel bon conseil. Tranquillement. 5 minutes. Quel bon conseil même copine peut te donner. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, tu es avec dans ton petit love là. Il faut rester là-bas. Bouche des femmes qui est au dehors là. C'est pour venir gâter tes choses. Et puis voilà, vous deux, vous allez vous retrouver célibataire. Moi-même, je m'étonne quand femme même célibataire au Théo vient donner conseil à une femme mariée qui est dans sa maison avec ses enfants. Quel conseil elle peut te donner? Hein? On dit les moutons de même bergerie, eux, ils marchent ensemble. Mais vous n'êtes même pas de même bergerie. Nous, les célibataires, on a nos problèmes. Les femmes mariées aussi, elles ont leurs problèmes. Donc arrêtez ça. Mais franchement, j'ai remarqué même que souvent même là, il y a des femmes mariées même qui sont très bêtes aussi. Parce qu'entre elles-mêmes, la femme mariée là, elles sont toujours en train de se donner les secrets. En moi, mon mari est ceci. Moi, mon mari gagne ceci. L'autre aussi vient expliquer pour elle, ma chérie. Toi, tu penses que pour toi, ça sent bon là. Si tu viens expliquer à ta copine là, elle va aimer pour toi là, elle va vouloir gâter pour toi là. Donc, elle attend une petite erreur que tu as venu expliquer. Et puis, elle va frapper dans ton foyer. Elle va dire, voilà, son foyer aussi doit prendre du feu aussi. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez ça. Aujourd'hui, j'étais en train de faire un petit détour. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Actuellement, là, nos petits tchals, on met ça sur nous pour avoir un teint un peu zoo. Donc, pardonnez, les histoires de celui-là a dit ça. Ça a dit ça. Ma copine, voilà, conseillère te donner. Toi-même, tu es ta première conseillère. On ne prend pas une décision sous la colère. Il faut respirer. Quand tu es trop en colère, il faut respirer. Parce que mon lolo beauté, quand on m'insulte, là, je respire. Et je fais une cure. Je dis, est-ce que celui qui m'insulte, est-ce qu'il a assez d'euros? Non. C'est le pauvre qui aboie. Je respire encore. Celui qui m'insulte,
j'ai l'impression qu'il a envie d'être à ma place. Et il y a une autre voix qui me dit, oui, Lolo, il a envie d'être à ta place parce que tu es une star. Donc, c'est comme cela, il faut respirer. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, eux, ils veulent gâter ta vie. Ils veulent gâter ta joie d'humeur. Ils veulent gâter ta bonne humeur plutôt. Il y a des personnes, c'est des sorciers sur les réseaux sociaux. Quand tu vois que tu es trop content, là, eux, ils viennent et puis ils frappent. Point rien ou point oui. Point oui ou point non. Et ils viennent et puis ils veulent gâter ta bonne humeur. Mais je vais vous apprendre que la bonne humeur de Lolo Beauté, même le démon de l'enfer, même s'il ressort du plus profond de trou de l'enfer, peut pas gâter ma bonne humeur. Tranquillement, tranquille. C'est ça. Tranquillement. Et puis remarquez bien, j'ai remarqué. J'ai parlé un peu des garçons qui aiment insulter. Oui, vous les femmes là, vous êtes vilaines. Oui, tu es vilaine. Est-ce que tu as regardé ta mère? Mon frère, tu as regardé ta mère avant de dire à une femme que oui, tu es vilaine. Quand tu finis de dire tu es vilaine, plaque la photo de ta mère. Je pense qu'on va rigoler ici parce qu'on appelle ça crabe poilu à la démarche. Aïe, chineke, tranquillement, tranquille. Ne soyez pas frustrés. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était un petit sujet. Vous voyez, actuellement, on est presque à 1000. Vous êtes scotché sur ma bouche comme ça. Aïe, la bouche d'or. Tranquillement, tranquille. Donc les femmes, je suis en Europe pour vous. Regardez le teint, comment ça parle. Non, ne te fais pas raconter. Rentre dans le réseau. Le réseau VIP Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Arrêtez d'écouter votre copine. Un homme reste un homme, il faut le respecter, il faut le mettre à la place qu'il veut. L'éducation du couple, ça se donne entre garçon et femme. Si tu veux changer ton mari, il faut le faire à soi et puis il faut lui parler. Il n'y a pas un homme, tu vas le faire à soi, tu vas lui parler et il va te dire merde. Il n'y a pas une femme aussi, tu vas la faire à soi, tu vas lui parler, elle va te dire merde. Il faut avoir la technique et l'intelligence. Voilà, il y a des beaux restaurants ici. S'il y a petite histoire, vous vous invitez à un petit restaurant tranquillement, tranquille, et vous réglez vos problèmes. Tu n'as pas besoin d'aller exposer ton foyer à ta copine qui ressemble à crabe là. En haut est gros, en bas est petit. Tranquillement, tranquille, laisse-les. Parce que quand tu vas demander conseil à une femme, il faut prendre au moins quand même une femme qui ressemble à quelque chose. Une femme qui ressemble à crabe poilu. Tu t'en demandes conseil là-bas. Qu'est-ce qu'elle peut te donner? Parce que les femmes qui sont très vilaines, elles sont frustrées. Elles n'aiment pas faire du bien autour d'elles. Tout n'a qu'à être elles. Parce qu'elles sont frustrées dans leur amour propre. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous aime. Je vous adore. C'était le petit coucou de Lolo Beauté. Là, voilà, je vais faire des petites courses là. Donc, je vous dis, restez zen. Ah oui! C'est votre famille, vraiment. Ah oui, c'est la famille. Parce que ma chérie, il ne suffit pas de naître dans une famille parce qu'il faut dire que c'est une famille. Dans cette terre-là, il faut que tu marques ta génération. Il faut que tu marques un nom. Ne sois pas dans l'obscurité. Quand on parle de toi en bien ou en mal, tu es un être vivant. Il faut marquer ton passage. Et Lolo Beauté, elle marque son passage. J'adore les jaloux. Et j'avance tranquillement, tranquille. Ou bien mes copines. Ah oui, il fait chaud, mais mes lunettes de soleil sont là, non? Ah oui, les vrais marques. Avec le vrai teint. Imaginez ce teint là sur le soleil. Ah, chineke, ça vous fait mal. Mais j'adore quand je rentre comme cela. J'adore ça. Tranquillement, Wilfried Kwaku, merci, bisous à toi, homme de valeur. Tranquillement, tranquille. Chineke, Fatima Sawadogo, je t'ai remarqué, tu aimes beaucoup, tu m'aimes, hein, Fatimata Sawadogo. Comment vas-tu? Ah, les gens comme cela, là, je les porte dans mon cœur. Maintenant, les jaloux, on les met de côté. Tranquillement, tranquille. On va avancer. C'était le petit coucou de Lolo Beauté. Voilà. Tranquille. Il paraît que. Vous aimez, il paraît. Hein? Laissez, il paraît. Cherche ton Dieu et puis avance. La vie de certaines personnes, ça ne vous regarde pas. Laissez ça. On appelle ça light. Ça passe. On s'occupe de soi-même, sa vie. Tranquillement, tranquille. Je vous aime, je vous adore.
chamaillez-vous maintenant. Ibam, comment vas-tu? Excellente journée à vous. J'ai fait big up à qui même? Frankie Lyon. Les jaloux vont dire, ah non, j'adore les faire mal. Tranquillement, tranquille. Tu peux pas comprendre. Je vais saluer qui encore. Mettez assez de cœur, hein, bon commentaire. Je vous fais hein, une bonne dédicace là, tranquillement, tranquille. Ah oui, Tania Grasse. Oui, montre-moi ta mère. Tu vois, il y a des personnes qui sont jalouses comme ça. Toi, tu es dans l'obscurité, inconnue. Mais je te fais ta pub, ma chérie. Confie-toi à Lolo Beauté pour être quelqu'un. Parce que tu es dans le noir total. Tu as envie d'être à ma place, mais tu peux pas. Ah, tranquillement, tranquille. Aïe, ça blesse. Mais c'est ça. Je suis impoli. C'est très bien. Mais c'est pas ta mère qui m'a éduqué. Ah oui, les personnes qui aiment juger, tu es impoli, tu es vulgaire, tu es tant. Quand ta mère te mettait au monde, elle t'a pas appris à fermer ta gueule quand les stars parlent. Tranquillement, tranquille. Apprends à la laver d'abord avant de venir sur Lolo Beauté. Shit! Pour moi, là, quand j'insulte, là, c'est tout le monde qui voit. J'adore! Donc, je vous aime. Ciao, ciao! Love, 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 love. Chineke! À partir de maintenant, quand quelqu'un te pique là, toi tu rentres un peu là, tu lui fais un peu sa sauce là, et puis waouh, quand elle regarde là, eh, ça fait mal. Parce que je ne peux pas comprendre, quelqu'un en train de faire sa vidéo, tu la détestes et puis tu viens commenter. Oui, regardez, tu es impoli, tu es ceci, tu es cela, mais ta mère n'a qu'à venir m'éduquer si elle vit encore. Tranquillement, tranquille, parce que c'est vous qui avez des sales éducations, là, c'est vous qui êtes venu commenter. Ici, on appelle ça Facebook. On dit ce qu'on veut, rien qu'on sort dans ça. Tranquillement, tranquille. Parce que j'ai remarqué, c'est les personnes même qui ne connaissent même pas qui est leur vraie mère, là. C'est eux qui aiment venir, tu es impoli, tu es ceci, tu es cela. Ma chérie, regarde-toi dans un miroir et décide de ton avenir. C'est très important. Oui, firme, quoi, si je suis trop forte. On m'appelle mental de fer. La go qui a la plus sale bouche. Il y a des gens qui veulent que je dise leur nom. Hein, mais je ne vais jamais dire leur nom. Je sors faire mes courses. Donc, restez connectés. Et puis, visualisez encore la vidéo. C'était Lolo Beauté. Aïe. Maintenant, c'est... Attends, j'avais oublié même. Pour les chats. Toujours WhatsApp. Je vais vous rendre belle ici en Europe. Avant de partir. Les jaloux vont maigrir. Nous, on va avancer. Tranquillement, tranquille. Number one. On m'appelle One Gam. Cocotier du désert. Imaginez. Non, tranquillement, tranquille. Aïe. Non, je prêche pas aujourd'hui. Je veux faire rire.